Attends, on a vu un chez Copic là ou quoi? Oh, ça prend Ying. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le move. Oh le... Oh l'intelligence. Oh. Et l'autre la t-shirt de chez le coiffeur là, et avec son petit dégradé de merde, avec sa petite chemise. Ouais bah moi ouais, j'étais là pour un after work. On lui dit police, police. Il se transforme, c'est la cage au folle là, il court dans tous les sens et tout. Moi j'essaie d'être sympa, tu vois, j'essaie de lui dire calmez-vous monsieur, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est dans mes fils de pute dans la cuisine pour se servir un putain de burger. Et l'autre est là, et ben on rentre pas dans ma cuisine, ok, il me tire dessus. C'est pas un drone, c'est une smoke ça mec. Une adoption, tu deviens son père. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je nique ça. Ah bon, c'est possible, hein. Je suis Sébastien Loeb, tiens. Bam, 360, mon gars. Bam, into. Oh putain. Salut, salut. Salut. On est tué tous. C'est moi, on est en Discord, 2 minutes. Où ça se trouve le point là, ça se trouve. 2 minutes. Veuillez m'excuser mon lieutenant, j'ai ma bouche qui s'est bloquée tout d'un coup et je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Pardon, mais ah je... Ah alors je savais pas que ça tue quand tu viens sur la tête. Parfois tu veux monter. Let's go. J'ai encore quelqu'un, je le fais reprendre. Wow, bien joué ça. J'ai envie de dire que le jeu d'Alpha, en partant là, on a du mal à s'y faire. Ok, passe pas celle-là, vous avez pas compris. Ok, bah allez, on va. Du mal à s'y faire. Allez, Cypher! What, mec? Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Tire tes balles? Vas-y, bah y'en a plus à un moment. Ah y'a un moment, y'a plus de balles. Faut casse ta porte, bon, elle a dit one tap. Ah, okay. J'ai dit quoi, on casse ta main door, on va mettre du one tap. Ça tire où là? Y'a un mec là. L'enfer. Bibi. Victoire de défenseur. Attention, ici c'est l'école. La vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Bonjour tout le monde sur le campus de la Solté Academy, comment ça va? Vous avez passé une bonne journée? Ça va tout le monde? Bonjour Marco, bonjour Babax, salut Sourigno, salut Xenoxide,
Salut Stars Gamer 8, bonjour Yamaxé, bonjour Xenoxide, bonjour Wisebot, bonjour à tous, comment vous allez? Bien sur le campus de la Salty Academy, bonjour Tisma, comment ça va? Bien ou quoi? Vous avez passé une bonne journée? Allez, let's go, rentrez. Saïk, une passée droit au campus. Oui. Je me mets sur le jeu. Ouais. Voilà, je me mets là directement. On a connu mieux et toi? Bah merde. Yo Oxy Live, salut, comment? Merci CIQC, comment ça va poulet? Merci de t'être abonné. Bienvenue à toi, nouvel étudiant du campus de cette Salty Academy. Alright, du coup, j'avais envie de faire du Broken Arrow. Bah ouais, forcément, parce que Broken Arrow, c'est vraiment génial, quoi. Donc voilà, quoi. Hein? Yo Tedinho, comment ça va tout le monde? Bien ou quoi? Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe, Tisma? On a connu mieux et toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour que ça aille pas? Hein? J'ai mon dos qui claque. Ah non, qui casse le cul. Yo Twitch Arcos, comment ça va, poulet? Qu'est-ce qui fait ton dos? C'est quoi le problème du dos? Et le dos, c'est chiant quand même. On va pas se mentir que le dos, ça fait mal. Et c'est vraiment chiant. Il refait des siennes bloquées dans le lit depuis hier. Aïe. Si jeune et déjà si vieux, Tisma. Yo, RXXXRR. What the fuck is going on? C'est quoi ce pseudo? Comment ça va, poulet? Le mytho, il était sur Rainbow Six tout à l'heure. Allez, bam, ça balance les dossiers. Non, mais ça veut pas se lancer, là, Broken Arrow, là. On est le combien? 16? Normalement, ça devait être terminé aujourd'du Broken Arrow. Et ce sera terminé dans 3 jours, je crois. Ils ont repoussé la date de bêta. Putain, c'est chiant quand ça se lance pas, là. Merci, Sei. Putain, t'es un monstre, poulet. En plus de t'être abonné au campus de la Salty Academy, tu payes 5 droits de scolarité. Très généreux de ta part. Plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour PsyQC1. Il offre la possibilité à Elgua, à Watch Out, à Babax, à Ange SRV et à Mili, leur droit de scolarité. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Merci, Sai. Le monstre. Le monstre du Québec, visiblement. Ferme ta gueule, faut que j'alterne les positions. À qui tu parles? J'espère que tu parles à Surigno, Tisma. Tu vas voir. Ça va pas le faire, sinon. Bon, qui est-ce qui est dispo? Ah bah il y a IKU qui est dessus, tiens. Je vais lui dire. J'aurais pas dû l'envoyer ici. Merde, je voulais cliquer sur son lien. Je me suis connecté sur son chat vocal. Comme un... Merde. Mince, je voulais voir le lien du... voir le lien et je me suis connecté sur le vocal. L'aile. S'il y a de la place, plus tard, faites-moi signe. Quoique. Oh le boulet. Moi, quoique, je sais pas. Je sais pas comment est-ce que je vais aller jouer du coup. Est-ce qu'il y a des gens qui sont disponibles sur Broken Arrow à l'heure actuelle ou pas? Ou est-ce que je vais aller me trouver des petits américains pour pouvoir partir en live? Et pour pouvoir partir à 5. BA. Je vais mettre des gens dispo. @ recherche, je suis sur le serveur BA France. Oui, ah colonel, vas-y. Je me mets dans alpha. Après, je sais pas si on va être assez du coup. Merci Stars Gamer d'avoir offert à l'une ses droits de scolarité, un monstre. Bonjour colonel, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je viens d'abandonner mes potes russes et ukrainiens pour venir te voir. Ça me fait plaisir. Ah ouais? Ouais.
Merci de Tarloweb pour les 5 mois, t'es un monstre poulet. T'as d'autres potes là ou quoi? Parce que là on est que deux du coup. On manque 3 personnes. Sur un autre jeu, sur War Thunder. War Thunder? War Thunder, pas War Thunder. Ah ouais, parce que je le connaissais pas celui-là. Ça serait un concept. Ouais, ça c'est clair. Merci infiniment Saïk d'avoir de continuer et d'offrir un sub tier 3 à Feno. Oh là là, méga étudiant du coup. Le monstre, merci Saïk aussi. Comment ça va poulet? Bien ou quoi? Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Envoyez plein de GG, plein de cœurs s'il vous plaît pour lui. Des petits GG, des petits cœurs là. Watch out! Réveillez-vous un peu là. Yo Isirix. Bonjour. Oula! Wow, le micro est pourri micro. Frérot. Ouais. Not possible là, faut régler ça là. Bah ok. Vous allez faire avec. Non, on va pas faire avec, non. Ah non, non, si, bah là, y a pas le choix. Bah non, mais on va pas pouvoir partir, c'est pas possible. C'est vraiment très compliqué, ça fait vraiment très mal aux oreilles. Ok, je sais comment faire, attends. Ok. Merci infiniment Isirix d'avoir offert la possibilité à Max, Piaf, Péchalo, Sebiche et Zewax dans le droit de scolarité. Un monstre. Plein de GG, plein de cœur pour Isirix. Vous êtes des monstres les amis, merci beaucoup. Ça compte double en plus quand je suis pas sur Rainbow Six. Péchalo, percé droit au campus. Bonjour. Yo. Hello. Vous allez bien? Ouais. Ça va. Sebiche, dispersé droit au campus. Il manque une personne. Merci Isirix, vous êtes des monstres, merci beaucoup. Vraiment, Stars Gamer, Saï et Isirix, vous êtes des putains de monstres, les amis. Vous avez envie de me voir continuer sur Rainbow Six. Vous luttez contre toutes les personnes qui ne veulent pas me voir sur Broken Arrow, pardon. Lapsus révélateur. Merci pour Invo et pour Nulzei. Merci Isirix, t'es un monstre. Vraiment. Merci pour le charme sur R6 aussi. Je suis pas sûr que tu puisses l'avoir. Pour les formations de charme, mais bon courage. Hein. Parce que même le petit Trix, je suis pas sûr qu'il marche maintenant. Est-ce que c'est mieux le micro là? C'est réglé? C'est en train visiblement. Sans le E, charme. J'avoue. Et toi, Xenoxide, tu viens pas? Vas-y, ah, c'était bon là, je crois. Vas-y, tu peux parler. Ibrahim? Oui, dis-moi. Ah non, c'est pas okay. Bon du tout. Bah attends, je vais voir ce que je peux faire. Et... Mais c'est quoi comme micro? Même moi, je suis vraiment confus parce que d'habitude, le son il est pas comme ça. Bah là ça a l'air d'être, on dirait un problème électrique en fait. Soit c'est quoi comme micro? Va te faire foutre toi. À qui tu parles? Bah vous deux. Bah pourquoi? Attends, comment ça électrique? J'ai pas compris là. Bah oui. Tu vois le truc qui passe dans les prises de courant? Ça s'appelle de l'électricité. C'est un truc qui a été inventé il y a quelques années. Et en fait, l'électricité, du coup, ça permet par exemple de faire passer des signaux ou en l'occurrence, là, tu peux avoir un problème électrique sur ton audio. Donc, du coup, ça crée une distorsion et la distorsion, c'est ce qu'on entend. Genre, tout de suite, je vais chercher quelque chose. Oui. Un micro, par exemple. Autrement, tu me dis, ouais, le problème, je peux peut-être le régler. Hein. Micro Lidl. Non, ça peut être dû au fait... Ça sent la prise jack juste avant de la connecter, tu vois. Donc, mauvaise connexion si c'est un casque jack, ce qui est rare quand même. Ou alors peut-être que le câble du son ou du micro, il passe à côté d'un câble électrique. Voilà. C'est un peu rare. Ça arrive surtout avec des trucs Go XLR. Moi, ça m'est arrivé, ça me rendait fou, quoi. Et du coup, t'es obligé de mettre ce qu'on appelle des trucs pour empêcher le des no ground noise. Donc le ground noise, c'est la terre en fait.
Ok, là j'aurais. Je pense que le problème est. Pas du tout, absolument pas. Bah, augmente le son de ton micro. Non. Je descends, y a aucune solution. Ok, bah t'as quoi comme micro? Escoff, PC. Non, mais moi je suis directement le micro sur le casque, j'ai pas un micro externe. D'accord, oui, c'est quoi comme micro casque? Rambo 7 Sopes et droit au campus. Tu veux la marque? Ouais. Attends, je vois ça tout de suite. Rakan 51 passé droit au campus. Avec le XLR, t'as besoin de ça là. Ça. Isolateur de bruit de boucle. Ce truc là, ça coûte 10 balles. Je l'ai mis sur tous mes jacks. Terminé. Ah mais... Aïe, là c'est... Ah, je parlais à mon chat. Mais c'est quoi ta marque du coup? Franchement j'en ai aucune idée, c'est... j'ai pris ça dans le magasin à côté. Ok. Ouais, c'est pas grave, hein, les gars, je parlais un minimum du coup, hein, j'ai surtout ping sur la game. Oui, mais c'est pas intéressant si on peut pas communiquer. Il est quoi? Il est branché comment ton micro? Par port jack. Il est branché par le port jack, pas en USB. Oui. Ouais, ça. Bah c'est le port jack qui bug. Là, je vais le changer, attends. Attends, c'est quoi comme... Est-ce que c'est un micro... Il y a un port jack, il y a une prise jack ou il y en a deux? Okay. Il y en a qu'une seule. C'est le deuxième. Il y a qu'une seule prise jack. Non, j'en ai deux. Ok, tu parles de la prise jack sur mon PC ou la prise jack sur mon casque? Sur le casque. Non, j'en ai deux. Il y en a deux, une verte et une rose. Oui. Et sur le PC, pareil. Sur PC, oui. Alors du coup, pourquoi tu dis je vais la changer? Non, parce que j'en ai deux. J'en ai une en haut et j'en ai une derrière. Une devant, une derrière. Et là t'as changé entre les deux, ça marche toujours pas. Ouais, non, bah, je pense que c'est directement un problème relié au casque. C'est pas un problème relié au port jack. Bah, ça pourrait être les deux. Hein. C'est pour ça qu'il faut essayer de changer pour voir d'où vient le problème, quoi. Bah, je pense que le seul moyen, c'est d'acheter un meilleur micro. Non, pas forcément. Ça peut être la carte mère qui est foutue. Ça peut être parce que tu les mets trop à côté d'un câble électrique. Ça peut être plein de trucs, quoi. Déjà, faut isoler le problème. Faut arriver à le reproduire. Non, mais parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. C'est vraiment que le micro, c'est de la merde. Je sais ce que je parle. Ok. Mais si tu le mets sur un autre PC, du coup, ça fait le même problème? T'as déjà essayé? En fait, je pense... Non, jamais essayé sur un autre PC. Mais... Ok. Je pourrais essayer. Bon, je vais essayer de trouver une solution moi-même. Déjà, c'est quoi la partie? Quand je peux la rejoindre? Bah, trouve une solution avant de rejoindre la partie, parce que autrement, ça va être compliqué, comme je disais. Oui, attends. Parce que déjà, que ça se trouve, il va falloir qu'on parte avec des Anglais. Oh, le nom des lobbies. Ne pas connaître la marque de son micro, ça en dit long. Bah, après, il y a beaucoup de gens qui. Voilà, quoi. Sont pas intéressés par. Mais oui. I agree. Bah après, micro à 20 balles, ça veut pas dire grand chose, hein, franchement. Hein. Y a pas de grande différence sur les micros. Voilà quoi. C'est la première fois que je vois ce nom, Isirix. Merci Stars Gamer d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité pour Black Init, Spard, Escoff, Rambo et Raken, qui sont tous payés leur droit de scolarité comme un bon étudiant, comme un mec sympa, pardon. Ouais, chacun ses moyens. Bon, je pense que j'ai changé de... Peut-être que j'ai mis là le truc là pour... Comme ça peut être genre. Ok. Le truc là de... Enlever... Voilà les bruits parasites. Ouais, ouais, ou ça, okay. Sur Discord. Ouais, vous me dites si c'est mieux ou si... C'est mieux. C'est mieux. Tu peux augmenter ton son? Je vais trouver ça. Attends, je vais essayer.
Là ça marche bien. Ah c'est bien. Bah super, on peut y aller alors je pense. Ouais, bah faut... Si quelqu'un a un last les amis, n'hésitez pas. Hein. Vous connaissez un peu le jeu ou parce que moi je connais le colonel mais... Non, moi je connais bien. Ok, genre... Ok. Le câble jack qui commence à fatiguer. Non mais les amis, faut pas... Il y a 12 000 possibilités, tu sais. L'informatique, c'est comme un bébé qui pleure. Hein. Tu sais qu'il y a un problème, mais tu sais pas pourquoi. Il y a un moment où, si tu fais pas des tests, bon, tu vois ce que je veux dire. Ça se trouve, il est fatigué, ça se trouve, il a faim, quoi. Voilà. Surtout en audio. Surtout en audio. Moi, quand il m'a fallu 6 heures d'analyse pour comprendre que le câble de mon... le câble d'alimentation de mon Elgato Keylight était trop proche de mon câble XLR et que c'était ça qui faisait des bruits parasites pour le live... Et il m'a fallu 6 heures, il a fallu tout démonter pour s'apercevoir que, bah voilà en fait, le problème c'est quand tu fais du cable management, bah tu mets tous les câbles ensemble et tu oublies qu'il faut quand même éviter de mettre les câbles électriques à côté des câbles audio quoi. Voilà, et ça rend fou, hein. Ouais vraiment. Bon, il y a personne qui est dispo sur le live là, Xenoxide, Amatheus là, on est vendredi, il est 18h, vous avez quoi à faire dans vos vies hein. Il nous manque un last là. Je suis au taf. Pff, personne n'y croit, mec. Ah, graille. Xenoxide, viens, on s'en fout, tu grailleras plus tard. Ils nous font un dernier, autrement on va partir avec des Anglais. Voilà, t'as vu la force de persuasion un peu, mec. Du coup, c'est quoi rapidement le lobby et le mot de passe? Vas-y, ça s'appelle micro pété. Et le password, c'est 1, 2, 3, 4. Et là, le micro, il est pas trop mal. Merci Fuzz Reaper pour les 31 mois, vous êtes des monstres. Ouais. Fuzz Reaper, PS et droit ou quand même. Colombe de hier soir. Bah hier, c'était que du I love boobs. Et que des trucs de beauf. Et on a fait que des games de ouf avec un mec qui nous faisait du 14KD, 13KD. Et moi j'étais parfait, j'étais parfaitement dans mon élément, j'étais vraiment en fond de zone, j'adore faire ça. Faire que le supply. Ah, oui, et on a enchaîné des games qui étaient parfois terminés en 10 minutes quoi. Des bons gros push middle et tout, incroyable, super niveau de jeu. Alors multi. C'est qui Scal Player? C'est toi? Ouais, c'est moi. Ah ouais. C'est pas vrai. Vas-y. What the fuck? Il y a un problème. C'est quoi le mot de passe? 1, 2, 3, 4. J'arrive pas à rejoindre. Micro pété, le pseudo, le machin. Ouais, ouais. 1, 2, 3, 4. Attends, il y a une douille. Ah, c'est bon. Okay. Eh ben, vas-y, c'est parti. Hein. Faut que tu te mettes prêt, Scale. Non mais tu le payes toi-même ton sub 1000 chèques, t'es ouf ou quoi? Oh, vas-y on les encule, pardon. Oh, j'ai envie de faire du central là. Moi j'hésite avec Baltisk. Ouais Baltisk on l'a trop fait hier quoi. Vas-y. Ouais je m'en fous hein, franchement en vrai. Même central au final, les mecs ils ont tellement poussé middle, j'ai fait vas-y j'irai à gauche moi. Je peux m'adapter, j'aime bien la gauche au final, maintenant c'est marrant. Bah à droite, je m'en suis pas mal sorti moi sur les deux games. Ouais. Au milieu. On commence où? On est au sud. Ok, je suis là. Je prends la droite. Moi je prends mid. Droite c'est pris, qui est-ce qui prend les autres du coup? Je vais aller au gauche. Ok. J'ai mid gauche. Vas-y. Bah mid gauche c'est un peu moins, prends plutôt mid droit poulet. Mid droit ok. Ouais mid gauche. Je prends pas moi.
Oh là, le micro encore, ça rebug, mais bon. Putain, Xenoxide, ça a beaucoup joué, visiblement. On va dire que j'ai le temps. Ouais, je mange. Allez, 2 SU30. Je vais pas faire comme hier. J'ai pris les bombes 2005 avec les SU30. Essayez de voir si ça fait quelque chose. 1005, c'est pas mal, hein. C'est des ouais, bah ouais, mais la dernière que j'ai faite hier soir, je me suis fait péter par ça, on arrache kit, et après je me suis dit tiens. Je sais pas si. C'est bien sur les bâtiments, mais bon, sur les chars, ça fait rien du tout. T'es. Ils prennent une bombe, il y a un trou dans la carte, ça fait rien. Ça va le chat? Oh la vache, alors là, si on n'a pas les AirTags, hein, je comprends pas. Chafou. Bonne chance. Ah, surtout s'ils ont que deux avions, quoi. Allez hop, ça dégage. Tu vas checker au fond ? Ouais, je vais voir okay, leurs hélicos, alors on a pas. Ils vont faire le truc de l'hélico, je prends le Stallion à droite. Vas-y, vas-y. Ils ont d'autres avions, d'autres avions. Hein. J'en ai perdu un. Le Stallion est mort. Il reste le Viper de McCool. Hein. J'ai encore un missile ou quoi? Ça lag un peu, non? Ouais, de ouf. Un peu, ouais. Ça lag à mort, même. Bah, hier soir, ça laguait aussi, je trouve. Rien fait spawn au sol, visiblement, encore? Bah... Ils avaient plus de missiles, mais ils ont toujours leurs bombes. Au sol, tu les verras pas. Ils ont gardé le laisser à droite. Moi, je commence à progresser. Les avions, les ai retournés. Rien. Y a Jeep sur site. BSR-7-3-1-0-0, passez droit au campus. Main tirée bas entrance, passez droit au campus. T'es un monstre, Isirix. Désolé, poulet, parce que je me concentre. J'espère qu'elle passe celle-là, non, elle passera pas. Blotirou, passez droit au campus. Si 4 tirait bas, passez droit au campus. Banksy 200, passez droit au campus. Putain, heureusement, je suis barré. T'es un monstre. Merci beaucoup, Isirix, pour les 13 personnes que je citerai juste après, mon poulet. Bisous, poulet. Un médium, je sais pas ce que c'est. Je dirais un Bradley. Pour un F-35 laser. Chico tiré Baer, j'ai passé droit au campus. Yes sir, medium boy. Je suis obligé de les faire back, le bonhomme là. Ça push, ça va pusher middle. Pourquoi je suis tout seul un peu middle là? Je me sens un peu solo. Hein. J'ai les troupes qui descendent en Mi-26, c'est juste d'arriver. LG-490, passé droit au campus. On va plutôt à gauche. Ils vont pusher middle, hein. Et je vais être solo. Cookie va plus vers le middle, en vrai ça devrait le faire. Ouais. Pour le moment. Ah.
Bah ouais, mais je me fais enculer middle, c'est ouf les gars, franchement. Bah du coup ils sont middle. Et du monde dans les tours. Ça sert à rien d'y aller avec ton MI8 là, hein. Tu vas te le faire shooter je pense. Ouais j'ai remarqué, bah laisse trop tard, je pense qu'il va crever. Il est mort le char sur le site? Ouais, il est mort. Il y en avait l'Abrams. Les autres me push. Ok, ils sont tous morts. Attention, il y a un Apache. Un Cobra, pardon. Bloodbite est en train de te faire enculer ton BMD-4 là. L'Apache va y, il est mort. Ah oui, je... Faut que tu pushes avec moi en revanche. Enfin, enfin tranquillement quoi. Immers. Ah, ça fait peur ça. Vous avez des S300? Non, pas encore. Les gars, vous avez des S300? Je pose la question à 4 personnes, oui. Hein, donc J'en sais rien. Non, non. Comment ça, vous en savez rien? J'en sais rien moi. Ah oui, j'en sais rien, autant pour moi. Un article vient d'arriver. Push pas trop à droite, hein, Zeno. Hein. Tranquille, okay. Hein, franchement. Hein. Nous, on est dans la merde middle, en fait. Après, tu peux, mais viens plutôt me filer un coup ouais, de middle. Ouais, faut que j'arrive à leur mettre ma pression pour qu'ils vous lâchent un peu au milieu, là. Je veux juste... Oh, lui, snipe. Oh, il est magnifique. Ça cap ou pas, là. Ouais, c'est bon. Qui gère tu vas essayer de rentrer dedans, poulet, hein, si tu peux. Enfin, dans un des bâtiments pour prendre les. Pour prendre les infos. Okay. Ouais, j'ai envoyé sniper dans les bats. Bloodbile est sprut, là, il sert à quoi derrière, frérot? Je vais les faire avancer. Ils ont full infanterie middle et des véhicules. Faut vraiment de l'appui. Bah ouais. Elle va me soulever hein. Bah ouais, je sais bien, on est que deux. Ils pushaient à mort. Hein. Ah, let's go, ils sont morts dans l'explosion du bâtiment. En revanche, ils font de la merde là. Ils ont un. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ouais, bah là, il va manger. Nice l'artillerie, ah bah. Frérot. Nickel. Ah, ils ont fumé, hein. Ils ont fumé. Hein. Le MTVR il passe à gauche. J'ai amené du supply. Je décale quelques gars. J'ai compris de missile. Allez, go, go, go. Sur la gauche, il y a qu'un seul tank et un véhicule blindé. Ils font un énorme push middle. Comme des malades.
Ah, les gars, ils vont pas tenir. On t'aide, on t'aide. Je t'ai ramené de l'hélico et tout, mais... J'ai l'hélico qui vient t'aider, poulet. Allez, y'en a un qui passe. Please, le support, la personne se met dessus, hein, le soutien, là. J'arrive, j'arrive. Ouais, il push avec des véhicules, mais... Allez, mon char. Ils sont pas entiers, là. Envoyez full hélico. Ils ont un patriote en plein centre-ville. Mais c'est des gros débiles en face. Hein. C'est des gros oui, débiles. Oui, je sais pas ce qu'ils font. Mec, rapport du supply scale s'il te plaît derrière parce qu'il n'y a pas de supply. Ah ouais, si, il y en a un, mais ouais, il n'y a pas grand chose dedans. Vas-y, j'en remets si tu veux. Ouais, parce que là il n'y a que mes antés, ils sont en train de tirer pour nous sauver la life là. Ouais, ça touche vers moi maintenant. Les lasers, je vais voir si je peux leur balancer des lobes laser dessus. Ouais, je peux. C'est bon, moi je suis en train de capturer le côté gauche. Vas-y, vas-y, ouais. T'es parfait. Nous on retient le middle et ça ira parfaitement. Oh, il y a ton Undertale qui m'a détruit. Le missile ouais, version cool, il a détruit mes gars qui capaient. Comme d'hab. 3 chars middle. 3 chars middle. Est-ce qu'ils ont anti-aérien sur le mid? Ils touchent tous le mid en fait, ce fils de pute là. C'est bon, y a mon ami qui vous lance le plus missile. Bon, il a fait quelques. Il a détruit quelques tanks, mais voilà, il peut pas faire beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il fait lui? Patriote. Je sais pas, mais il va prendre la sauce dans 3 secondes s'il est pas mort. Essaye de décaler un peu ton patriote à gauche, Bloodby, si tu peux. Parce que là, il vient de défoncer ton avion, le Kamaz. Ton Kamaz, il vient de le défoncer. Il fait n'importe quoi, le mec en face. Il vient, il sacrifie ses... Ah ouais, non, mais c'est... C'est les Toto. Ils sont en mode première guerre mondiale en face.
Je sais pas ce qu'ils font, ils push, mais ils ont pu des coups d'un moment, la force. Non, mais ils push même avec des DCA, ils push avec des Imars, ils mettent tout ce qu'ils peuvent et ils push. Par contre, ça lag vraiment beaucoup. Ouais. Ok, je vais essayer avec le T15 d'aller. C'est bon. Ok, non, y a du monde, y a du monde encore dans le. Je vous ai mis du supply derrière. Je vais les enculer eux. J'ai mis des tops. Merci. Je suis dessus du coup. Ok, il y a deux commandes qui arrivent sur moi. On va le faire. Merde. C'est de me protéger du cobra de merde hein. L'artillerie c'est moi qui tire ou... Ok du coup il y avait pas assez d'anté allumé. Du coup on vient de se faire enculer. Les prolets éteignez les radars les gars please. Push mobile à gauche. Moi je suis en train de faire un push middle, on est bon sur le middle, c'est pas trop mal. Ça tient en tout cas. Le lavadé à droite, je vais l'enculer. Attends, je l'aime trop frère. Ouais, tout le monde lag là. Il nous faut encore des antés. Hein. Je sais pas poulet, là c'est un peu chaud. Ouais, tout à fait franc. J'avance à droite. Radar, prowler ou attention. Éteignez les radars peut-être. Non, c'est pas un prowler. Faut vraiment me donner les infos pour les prowlers. Hein. Ça, faut qu'on ait ce genre de call. Nice, le push en tout cas avec mon middle. Putain, faut me le dire quand il y a des unités de vos potes qui se font niquer, les gars. Genre mes AT qui se sont fait enculer là. Gratos, middle. Stop, le bombing à droite. Je vais y aller. Ok. Ok, lui, si on peut. Si je peux le target, lui serait quand même pas mal ça. Petit fils de pute là. Essaye de le faire revenir ton T80, on va essayer de le soigner. What? Mais restez là-dedans là, ils sont cons ou quoi? Oh là. Il l'a pas en target. Fuck. Il nous faut plus de personnes middle pour. Je vais vous recoller. Ouais, please. Je cap et j'arrive. Attention arrière et F18 encore. Incroyable, c'est parfait.
Arrière et F18, ouais. Il nous faut encore du Sosna et de la merde. Je remets un en tête, de toute façon. Ça va revenir prendre le point à gauche, là. J'ai le même problème, Pierre. Moi, je prends les dégâts sur des unités, mais... On les voit pas. Ouais, ouais, bah... Bah ouais, je le vois, le T80, là. Ouais, à cause des D5, du coup, il y a des trucs qui n'existent pas. Il y a des trucs qui n'existent pas. Et eux, c'est la même chose de l'autre côté, apparemment, quand ça fait ça. Donc on a aussi des unités qui mettent des dégâts sans qu'ils le voient, quoi. Ouais. Donc, ouais, ouais, bah... Je vais tenter quelque chose avec le Typhoon, là. Ok, je sais c'est quoi, c'est un LAF qui est ici. Ouais, mais moi aussi, moi j'ai mon ami qui arrête pas de balancer ses flares, quoi. C'est les gros problèmes de D5. Mon hélico, il prend cher. Éteignez les radars. Prowler en l'air. Ou c'était un arrière, j'ai pas vu. C'est un arrière. Ok, bien pris. Je vais essayer d'avancer avec le Typhoon si vous prenez les infos sur... Ouais, le Typhoon qui est en train de prendre des dégâts, on sait même pas qui lui tire dessus, quoi, c'est horrible. Prenez les infos sur le Typhoon, là, qui va faire débloquer. Voilà, genre lui. Impeccable. C'est bon, j'ai fait un assaut d'artillerie sur la position. Du coup, mon Derevadzia qui est mort aussi. Artillerie sur la position, bien pris. Ah, j'ai plus de machin. J'ai l'impression d'être... Ah ouais, on est une frappe ici, là. C'est bon, je vais tirer là au tapping. Les T15 sont en train de les détruire doucement. Faut faire monter du supply, hein, à gauche. Ouais, j'ai un game supply qui arrive. On a perdu un truc. Ouais, de mon côté, mais pourtant je vois rien, c'est quoi ce bordel? J'ai sniper et tout autour. Tu le verras pas, hein. Le truc de l'unité invisible c'est indomptable. Tu peux rien faire dessus. S4, son Mi-28 il est bugué sur le supply, il balance des flares à l'infini, il est en train de consommer tout le supply. Ouais, je sais. J'ai eu ce bug. Mais mon K52 il se fait abattre. Ah oui, ça le fait consommer, putain. Ah ouais, ça le fait consommer. Ah là, des gros problèmes. Oula! Gros problème de T5. Mon K52 il s'est écrasé. Ah, laisse tomber, il y a plein de trucs qui sont pas logiques. Ton Bloodbite, ton Sotspeak, je sais pas, ah ouais, tu veux le faire avancer? Non, les deux hélicoptères, on peut pas les laisser notre pote se faire enculer comme ça. Oh les gars, c'est électro, je sais même ouais, pas si c'est horrible. C'est horrible pour tout le monde. Je vais essayer de t'aider avec les hélicos qui arrivent là. Et bien sûr, j'ai perdu un T15, ouais, super. Ouais, mais ça c'est... Les hélicos, c'est bon, je m'en occupe, je pense. Il y en a un qui a pris. Allez, le Sosna, faut y aller. Allez, il m'a baisé. Allez, il y en a un qui est mort. Mets tes flares. Ouais, tu vas pas pouvoir. L'autre est mort, c'est bon. C'est bon, je capture la zone, mais là je pense qu'il y a le temps qui va me... Attention, Prowler. Ouais, Prowler. Derrière. Oh le fils de pute, il m'a mis un skull. Oh, les ECM, mon gars. F18. Non, F35, pardon. On essaie de caper à gauche, les gars. Hein. Ouais, je m'avance. Si vous pouvez, à gauche, si tu peux avancer, faut pas hésiter, hein, scale. Hein. Tu peux pas me laisser. Non, bah c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, j'ai avancé, mais ah oui, il y a toutes mes unités quand ils sont fait buter. Si je vous bugue, je vois des unités des bâtiments, mais je vois pas même dedans. Envoie tes missiles là! C'est une fucking blague, hein! C'est une fucking blague, quoi! C'est très bugué. Attends, pas qu'on y avait pas des synchros là. Hein. En même temps, j'aurais dû amener l'hélico plutôt, mais après, j'ai pas de vue sur les lavadés.
Essaie de faire avancer tes snipers si tu peux sur le côté gauche qu'on prenne de l'info derrière. En gros, faudrait essayer d'avoir cette ville là, là, à gauche. Pour avoir de la vue sur le dernier point, parce que là on est en train de... On envoie tout en blind, de là on voit rien du tout. F-35 en l'air. J'ai envoyé des snipers. Ok, attends, laisse mes US troupes là, y aller là, le pilote. Il est là pour ça, j'ai envie de dire. On va prendre l'info là-dessus, s'il peut se cacher derrière. Quoi? Faut un peu blindé à gauche dans la forêt où j'ai mis le marqueur. Ok, bien pris. Juste derrière leur point. On va le laisser aller, lui. Ah, j'ai perdu l'unité sans m'en rendre compte, quoi. Normal, ouais. C'est le bug des trucs invisibles. Ouais, pareil, j'en ai perdu tellement. Ok, il y a du blindé là. Ok, je le fais rentrer dans le truc là. Ouah, mais mon char il s'est fait instant, j'ai même pas vu. Oui, non. Les gars, vous allez le... Il va y en avoir, c'est horrible, je sais. Au fond, on l'a vu, l'avadé. Je sais pas où il va se mettre. C'est bon, c'est en train de caper, hein. Ouais, j'ai remarqué. Je reste sur site, y'a même pas besoin de faire autre chose que... N'allez pas sur le site, essayez de coiffer les objectifs à gauche, faudrait prendre l'info ici, là. Et genre là, en fait. Autour, en fait. J'envoie mon sniper. Le missile du S-300 qui tombe pile sur les BMP. Ouais, on l'a vu. Y'a mes snipers qui avancent à position, qui l'en prend. Y'a 3 véhicules qui viennent, 4 véhicules qui viennent. Ok. À gauche. Fils de pute d'hélicoptère. Ouais, non, mais rien ce que je prends là. Oui, on sait, poulet. Please, je sais. C'est chiant. Comme ça. T'inquiète, c'était pareil pour nous hier, c'est hyper frustrant. Ouais, par contre, le mec qui pêche avec un Inras, je comprends vraiment rien. C'est pour ça qu'il faut essayer de terminer assez rapidement au final. Ce serait pas mal. Allez, on essaie de les enculer à la limite là-dessus. À droite, tu fais ce que tu peux. Fais avancer tes bonhommes, Zeno, là, au middle, hein. Vers ce point-là, là. Moi, mon armata, il y va, là. On avance ligne par ligne et on les encule, là. Terminé. Il y a plusieurs unités ici. Ouais, bien vu, c'est bon. Artillerie qui part dessus maintenant, c'est parti. Plus autre artillerie qui part dessus. Ne bouge pas, ça part dessus. Ils vont commencer à bouger. Ok. Lui, il est mort, c'est bon. Fais avancer tes bonhommes qui sont middle, là, please. Ceux qui sont dans le... On coiffe l'objectif, on va derrière, on va par là. Colonel. Ouais. Je balance sur le petit truc que tu m'as dit. Il y a 3 chars middle, faut les counter. Et mon armata solo va pas pouvoir se le faire. Il a arrêté ses tanks, il va en profiter pour lancer un missile d'artillerie. Quelqu'un peut mettre un laser designator sur le tank. Allez, faut les niquer eux. Ah bah il a cramé mes Akatsuya, ils se sont fait péter. Il y en a un qui a survécu. Ouais, il faudrait essayer de les niquer assez rapidement. Vas-y, on commence à avancer. L'armata, on avance ligne par ligne. Ici, on a des trous. On a des troupes à l'intérieur. On l'a vu à droite. Allez, on va prendre le dernier. Tranquillement, on les fait tomber. Nice. Un hélico qui va aider. Soyez pas naïfs, ils vont envoyer des hélicoptères. Faut pusher avec les armatas et tout. Ça vient en l'air, prowler. On a du prowler, éteignez les radars. Faut coiffer l'objectif, faut pas s'arrêter à gauche. De maison en maison, on avance.
De ligne en ligne pour aller pusher sur le dernier. Faut pas s'arrêter sur l'objectif, autrement on va prendre l'artillerie. Faut aller enculer l'artillerie en fond de zone. Donc faut continuer à coiffer l'objectif. Doucement mais sûrement. En gros faut aller là. On les a vus. Ouais, on les a vus. J'envoie des tanks. Essaye de pusher avec moi avec tes armata là, moi j'y vais. Hein. Je vais me mettre derrière cette merde là. Hein. Sur le dernier point, essayez de m'envoyer du bonhomme avec moi, please. Je sais pas qui me suit, c'est colonel, tes bonhommes là en file. Tu me les envoies s'il te plaît? Ouais, je les envoie. Vas-y, vas-y. Là j'ai besoin d'aide sur le point gauche, je peux pas les. Je sais pas où est-ce qu'ils sont, y'en a un sur le point avec moi, ok, c'est des trucs de merde là. Ils sont plus dessus, ça cap, on est bon, let's go, on cap, on coiffe l'objectif les chars. On s'arrête pas sur l'objectif. On laisse les bonhommes aller sur l'objectif. Nous on coiffe, on va péter les artilleries qui sont de fond de zone. On s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Ok, j'ai cramé l'un de ces anti-aériens, il est juste ici. Si quelqu'un pouvait faire un... C'est bon, c'est terminé, hein, c'est terminé si vous venez avec nous. Non, ça reprend. Il faut une unité. Ah, à gauche. Droit, enfin middle. Je okay. Ramène mon infanterie, mais ça redevient rouge. Il y en a un qui a quitté chez eux, il est rage, donc ça va nous aider. Ok, c'est bon. Let's go, à gauche. J'ai coiffé l'objectif avec les armata, on devrait être pas trop mal. Nickel, le push. C'est gagné. Et voilà, l'autre il est au fond de zone et il fait rien. Terminé. Je me demande combien ils ont de morts, hein, parce que là, c'est abusé tout ce qu'ils ont envoyé. Moi j'ai eu beaucoup de pertes en vrai. Non, mais moi aussi. Non, non, mais surtout à cause des lags qu'on a eu beaucoup. Mais c'est surtout eux, je me demande combien ils ont de pertes. Bah GG hein. GG. GG. Bien joué. Attends, du coup 17 loss, ah ouais quand même. 54, 47, 47. Ah ouais, y'en a 3 qui ont fait n'importe quoi en fait. J'arrive. Alright. Voilà comment on joue à ce jeu. Elle était belle cette game. À part les lags quoi, c'était un peu relou mais...